Hi, Miles Monroe used to say that in a cemetery, he didn't only see crosses placed on tombs. He saw rather beautiful unsung songs, unwritten best-selling books, beautiful unspoken speeches. These great singers, writers, politicians took with them their talents in the afterlife because they did not have the courage to exploit them, and also because they did not have a platform to express themselves. So, inspired by the American Ebony magazine, the Voice of Blacks, the French Paris March, the Voice of Stars, and the International Amina, the Voice of African and Caribbean Women, I said to myself, give them a forum, a platform. A challenge made easy by the experience acquired throughout my professional career at Last Man, the most popular quinoa weekly magazine of the 90s, alongside other newspapers such as Le Phare, Le Potentiel, et Lima, Salongo, etc. So, 11 years ago, at the corner of 149 East 38 South Street in the Gabarone Foundation Gallery in New York, a free and packed magazine was born. We come today to celebrate those who were there at the beginning, those who were with us along the way up to now. So since 2010, Afri Impact magazine has written about them. Afri Impact interviewed them. Here are the most influential personalities of the third edition of Afri Impact magazine awards 2021. Enjoy. Bonjour, bonsoir à tous. Miles Monroe disait que dans un cimetière, il ne voyait pas que des tombeaux avec des croix posées dessus, mais il voyait plutôt de belles chansons non chantées, de beaux livres non écrits et des beaux discours non prononcés. Ces grands chanteurs, écrivains, politiciens n'ont pas eu une plateforme pour s'exprimer. Alors, inspiré par trois magazines, l'Américain, Ebony Magazine, La Voix des Noirs, le Français, Paris Match, La Voix des Stars, et l'International Amina, La Voix des Femmes Africaines et Antillaises, je me suis donné de leur offrir une plateforme. Un challenge rendu aisé par l'expérience acquise tout au long de mon parcours professionnel à la semaine, l'hebdomadaire quinoa le plus en vue, à côté d'autres magazines de ce temps-là, et Lima, Le Phare, Le Potentiel, Salongo, etc. Ainsi, à 11 ans, au 149e East 38 South Street à New York, Afri Impact Magazine voyait le jour. Dans la galerie Gabarone Foundation, nous venons célébrer aujourd'hui ceux qui étaient là au début, ceux qui nous ont accompagnés tout au long du parcours, ceux qui ont une cause à défendre. Depuis 2010, Afri Impact Magazine a écrit sur elle. Afri Impact les a interviewés. Voici les personnalités les plus influentes de la troisième édition d'Afri Impact Magazine, la célébration de personnes influentes. Je m'appelle Francine Lobo,
présidente et initiatrice de l'organisation non gouvernementale dénommée Congolese Women for Peace, qui a pour mission de faire des femmes de vecteurs de changement et leur permettant de construire des communautés épanouies. C'est un réel plaisir d'être célébrée aujourd'hui parmi tant d'autres personnalités et organisations qui posent des actes d'impact dans le monde. Merci donc à Afri Impact Magazine pour cette reconnaissance et considération. Je dédie donc ce prix à toutes ces femmes rurales qui se lèvent chaque matin pour l'épanouissement de leur maison, de leur communauté et de la République démocratique du Congo et prêtes à projeter la République démocratique du Congo dans un futur meilleur. Je vous remercie. Ça a été un plaisir d'avoir pris de votre temps pour suivre cet événement à partir de vos maisons. Merci. Soyez l'année prochaine les récipients de cet événement. Thank you very much for your time that you put aside to watch this event from your living rooms. We want you to be the next recipient of this event. Thank you.